J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul AliExpress. Oui, j'ai craqué. Première commande AliExpress. Non, en fait, non. La menteuse. J'ai pas passé commande, mais ma copine Jennifer de la chaîne Jennifer Passion m'a dit qu'elle allait passer commande sur AliExpress et je lui ai dit, mais si tu passes commande, achète des trucs pour moi. Oui, je n'ai toujours pas passé le cap de commander sur AliExpress, mais ma copine Jennifer l'a fait pour moi et je la remercie. Donc elle m'a montré un peu ce qu'elle allait commander et je lui ai dit, bah oui, je veux bien et tout, que tu les mettes dans le panier, je l'ai remboursé. Donc j'ai quand même des petites choses AliExpress à vous présenter. Donc c'est parti. Juste avant, je fais un petit aparté pour vous dire que voilà, on a essayé avec Jennifer de commander que des produits qui ne sont pas des contrefaçons. Moi je suis contre les contrefaçons, que ce soit pour le scrap ou la beauté ou autre. Je suis pas hyper fan, je préfère acheter la vraie marque, payer 1€ de plus et avoir la vraie marque, surtout pour tout ce qui est scrap, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc là on a essayé d'acheter des choses qui ne sont pas de la contrefaçon, voilà, des washi tape, des petites choses, des petits die cuts. Mais voilà, je préfère vous le dire. De toute façon, vous allez retrouver tous les liens de des produits, pas sous ma vidéo, mais sous la vidéo de Jennifer qui a fait aussi un haul AliExpress, puisqu'elle a commandé un petit peu plus de choses que moi. Donc je vous renvoie, je vous mets en barre d'infos le lien de sa vidéo, et si il y a des choses qui vous flash, qui vous donne envie, et ben vous aurez les liens sous sa vidéo, comme ça ce sera plus facile pour vous, parce que moi comme je n'ai pas commandé moi-même, je n'ai pas les liens. Donc je ne vais pas vous envoyer des liens, je ne vais pas chercher, alors que je ne commande jamais sur AliExpress, mais ça ne serait tardé, un jour je passerai le cap. En fait, vous êtes nombreux à me dire, mais pourquoi tu passes jamais le cap? Parce que je préfère favoriser les magasins que j'ai autour de moi, il y a pas mal de choses autour de moi, donc je craque plutôt là-bas. Et je vous avoue qu'en fait j'ai peur de devenir accro comme beaucoup de mes copines à AliExpress et à commander tout le temps, dès qu'on a envie d'un truc on va voir sur AliExpress et tout. Donc je préfère éviter ça pour l'instant, donc je craque pas. Mais voilà, je vous laisse tout de suite avec le haul en question et on se retrouve à la fin. Alors tout d'abord j'ai craqué pour des enamel dots, je crois que ça se dit comme ça, pour décorer les pages de scrap, donc voilà, des couleurs un petit peu comme ceci, un peu flashy, et puis des couleurs assez basiques, donc ma foi, ils étaient arrivés comme ça, hein, sans emballage, mais ma foi ils sont plutôt pas mal. Au niveau des washi, on a craqué avec ma copine Jennifer pour pas mal de petites choses, donc je vous les montre un peu plus en détail. Donc celui-ci qui est plutôt joli comme ça avec des petites fleurs de cerisier, je l'ai trouvé raffiné, très doux. Et c'est vraiment pas le style de washi que j'ai, donc je me suis dit pourquoi pas. Celui-ci, étant donné que je suis dans une grande phase cactus, etc., feuillage, et ben je me suis dit qu'il était trop beau, donc je l'ai commandé aussi, il est vraiment magnifique. Toujours dans l'esprit un peu fleuri comme ça, verdoyant, un peu très japonisant. J'ai pris celui-ci avec, alors c'est pas du foil, on a l'impression qu'il y a du foil, non mais pas du tout, mais il est très très joli aussi. Un peu plus girly, j'ai pris celui-ci avec des petites fleurs encore une fois, très discrètes, un peu rose comme ça, un peu style fleur de cerisier aussi, je sais pas trop. Et un peu aquarelle, parce qu'il y a des endroits où c'est un peu plus clair et d'autres un peu plus foncé. Donc voici le rendu des quatre ensemble. J'ai craqué pour trois tout mini washi qui sont dans les teintes un peu rose gold. Donc voici le rendu un petit peu du rose gold. Il y en a un où celui du milieu avec un petit paire de ciseaux et des pointillés. Celui d'en haut c'est des sortes de petits trèfles. Et le dernier est tout rose gold avec des motifs géométriques. Ils sont vraiment magnifiques encore une fois. On a craqué pour tout ce qui était die cuts. Donc je vais commencer par le premier qui est dans les teintes un peu vertes comme ça avec des petits feuillages. Je vais vous les étaler ici et puis comme ça vous aurez un rendu de tout. Alors ce sont vraiment des autocollants, ils sont assez fins au niveau de la texture. C'est pas vraiment comme les die cuts qu'on trouve chez Cultura, ils sont vraiment assez fins. Là c'est vraiment des autocollants pour les planeurs, tout ça, ça peut être très sympa, pas très épais. Alors, on en a pris deux comme ça de la collection Judy Karen, je ne connais pas du tout, scrapbook collection, qui ont l'air très jolis, un petit peu effet gold encore une fois. Il y en a vraiment vraiment beaucoup, donc je ne vais pas tout vous étaler, mais vous avez un aperçu, ils sont très 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 beaux ceux-là, cette collection est vraiment divine. Ceux-là ils sont vraiment un petit peu plus cartonnés, après je ne sais pas s'ils sont autocollants ou pas, mais en tout cas ils sont vraiment très jolis aussi.
trop magnifique ça. Je trouve ultra fan, ultra fan, ultra fan. Toujours de la gamme Judy Karen, on a pris des die cuts encore une fois. Donc celui-ci de cette collection là, ensuite celui-ci qui a l'air d'un tout un peu plus rose, Love, et celui-ci. Alors il n'y a pas vraiment de nom, donc je ne peux pas trop vous dire. Voilà pour mon craquage AliExpress, enfin craquage, j'en ai eu pour 23 €, hein, c'est pas non plus la révolution, mais les petites choses qui vont pouvoir compléter mon planeur, mon carnet de voyage, mes petites choses de vacances. Donc n'hésitez pas à me mettre les liens de vos vidéos haul AliExpress en scrap, en planeur, etc. J'en regarde déjà pas mal parce que j'adore regarder, et puis j'ai déjà fait un swap AliExpress avec une copine à moi, donc on va dire qu'à l'express, j'ai rien contre, hein, mais j'arrive pas à passer le cap. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des petites idées de ce qu'on peut trouver sur AliExpress, version scrap, planeur et tout ça. Et je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut !